بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعزني الله وإياكم وأجرنا جميعا عن النار. شفرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله سبحانه وتعالى Paix la bénédiction sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Nous demandons à Allah, le Très-Haut, de nous augmenter la foi et la sincérité dans l'adoration. Que Allah pardonne nos erreurs et nos péchés. Nos parents qui sont morts des musulmans, que Allah les pardonne. Et nous aussi, que Allah nous facilite les jours que nous serons appelés de mourir. Allah nous facilite de mourir, nous sommes des musulmans seuls. À cette heure, à cette mosquée bénie, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala avec tous ces peines de donner la santé à tout musulman qui est malade. Les musulmans qui sont dans les problèmes difficiles, qu'Allah les facilite. Qu'Allah mène la facilité. Chers frères, musulmans qui attestent la ilaha illallah, Muhammad al-Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faut remercier Allah. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a facilité et qui t'a choisi et qui t'a donné cette grâce qui est la plus grâce de Allah. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala car le Coran nous dit la in shakartum la azidannakum. Si vous remerciez Allah, il augmente. Le moment que quelqu'un, tu es musulman, tu n'es pas kafir, il faut remercier Allah. Et il faut remercier Allah, il t'a fait tuer musulman. Et il faut faire l'effort aussi que certains aussi soient comme toi. C'est comme ça que musulman doit passer à chaque moment. Après les kalimas de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il n'y a pas de travail qui dépasse les 5 prières quotidiennes. Les 5 prières, c'est ça qui dépasse tout. Ça veut dire ça, si quelqu'un ne prie pas, il n'est pas musulman. Mais si il prie, quoi aussi? Kana amaruhu bayna Allah subhanahu wa ta'ala, son affaire dans la main de Allah. Voilà pourquoi on a pris le temps pour expliquer la prière. Quelle est l'importance de la prière? Comment nous allons prier? Comment nous allons faire la prière? Comment nous allons laver Janaba? Atayam mamu. Comment nous allons faire? وكيف نصلي وكيف نصلي وكيفية الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم on a essayé d'aborder à ziyada ou à nukusol في الصلاة qui est السجود قبلية ou عادية. Mais chers frères, Allah le trouve nous dit وربك يخلق ما يشاء ويختار. Allah s'adresse à son prophète Mohammed et dit sache que ton Seigneur Allah, il est le créateur. Yahlukum. Wa yahtar. Yahlukum ayesha. Allah, il fait ses créations comme ça le plaît. Il fait l'autre géant,
il fait l'autre moins de taille, il fait l'autre gros, il fait l'autre teint blanc, il fait l'autre noir. Yahalou Mayesha. Il fait sa création quand ça le plaît. Pas comment toi tu fais ça. Comment Allah il va te créer? Il va te créer. S'il veut tu sois parmi les Américains. Il va te créer. S'il veut tu sois parmi les Européens. Il va te créer. S'il veut tu sois parmi les Asiatiques. S'il te crée, il veut tu sois parmi les Africains. Hakasa. Si ça lui plaît aussi, il va te créer parmi les animaux. Yahaloku Maesha. Après de crier fini, Allah il choisit certains sous les autres. Vous allez voir chez votre papa, vous êtes même père, même mère, mais le comportement est différent. Vous êtes même père et même mère, mais vous n'avez pas même chance. Vous êtes même père, même mère, mais les tailles ne sont pas pareilles, les teintes ne sont pas pareilles. Les comportements ne sont pas pareils. Et il choisit certains de pas certains. S'il y a les gens qui parlent et disent tout le monde est égal, c'est faux. Nous ne sommes pas égaux. Nous tous, nous sommes des humains, mais nous ne sommes pas égaux. Mais toi, tu ne peux pas taper ton poitrine pour dire, moi, je dépasse tel. Mais lui-même, Allah qui nous a créé, il a dit, je vous ai fait que vous se dépassez. Il y a certains qui se dépassent. Yahalou Kouma et Shawa Yahter. Et là, tu vois quand il t'a fait pour ta'ala, Allah les très haut, quand il a fait les créatures finies. Vous savez, Allah nous a réservé des maisons. La meilleure maison et les mauvaises maisons. Toi, c'est toi qui vas choisir là où tu veux habiter au Malkia. Avant que les gens quittent ici à l'épérinage, on a déjà réservé leur hôtel là où ils vont aller dormir. Ce n'est pas quand tu vas arriver là-bas, on va te chercher la maison. C'est comme ça, c'est tout le monde qu'on cherche la maison, qu'on va habiter au Malkia. Celui qui va chercher paradis, Allah te donne paradis. Celui qui va chercher l'enfer, Allah te donne l'enfer. Mais il a dit, quand il a crié fini, il t'a hazarab ta'ala, lui, Allah le très haut, il a construit les maisons. Mais lui-même, comme c'est paradis qu'il veut, il a choisi paradis pour l'humanité, les croyants. Mais la dynamique, parmi dans les paradis, Allah choisit la maison. Même il y a les paradis, mais dans les paradis, il y a les maisons qui dépassent les autres. Les paradis sont combien de portes? 8 portes. Et ils sont qualité, qualité. Ce n'est pas n'importe qui rentre n'importe où. Dans les sourates tour. Allah mène un verset qui montre que vraiment paradis, c'est à Tabakot. Décrit. Allah il dit dans les sourates tour, si je ne me trompe pas. Il dit Wallazina amanu. Allah dit ceux-là qui ont cru Allah qu'Allah donne la croyance. Wattaba'atuhum zuhriyatuhum bil iman. Et leur famille aussi les a poursuivis avec la foi et Allah. Monsieur un bon croyant, madame un bon croyante, les enfants des bons croyants. Oh, Allah donne comme ça. Ça c'est la richesse. Oui, parce qu'aujourd'hui c'est difficile. Tu vas voir quelqu'un bon croyant, mais sa femme est fétichère. Tu vas voir une femme bon croyante. Mais son mari, c'est Mouzabza. Ou bien c'est pas comme ça, chef. Mais c'est difficile. Si Allah fait quelqu'un, il est croyant. Amenou. Et sa femme est croyante. Et les familles aussi sont des croyants. Allah dit, Wattaba'atuhum zuhriyatuhum bil iman. Les familles aussi sont des croyants. Mais le monsieur, son décret de croyance dépasse ses familles. Mais tous, ils sont morts avec calmement tout. La ilaha illallah, Muhammad Rasul. Jusqu'à Allah donner les papas et les familles le paradis. Mais Adib, les paradis sont différents. Papa, le père de famille a eu paradis, sixième étage.
La femme et les enfants, ils sont dans le troisième étage. Mais comme c'est son famille, mais paradis, c'est paradis ou bien c'est pas ça. Mais comme c'est déclaré, il dit, mais lui, je vais lui faire des faveurs. Alors, qu'on a envie qu'il nous envoie tant. Allah dit, tant que madame est dans le paradis, mais grâce à son mari, on va faire monter la femme, elle est dans le troisième, elle va dépasser quatrième, elle va dépasser cinquième, elle va aller jusqu'à sixième retrouver son mari. Ça montre que le paradis, c'est tobakot dans la jade. Allah dit wa ma alatnahu min amali min shay. Même leur travail, si ce n'est pas arrivé, Allah les a fait monter. Parce que ça, ce n'est pas dans la main des quelqu'un, c'est dans la main d'Allah. Voilà pourquoi il a dit, il a choisi dans le paradis d'Allah, istafaha li nafsihi. Lui-même, Allah, il a choisi ça pour son propre intérêt. Wa asaha bi kur min arjihi. Et lui, il a choisi ça, arrangé ça et il a mis ça à côté de son al-arche. Allah travaillait dans ce paradis. Il a planté des plantations dedans avec sa bébé. C'est ça qui est le grand de tous les paradis qu'on appelle Fordos. Qui dépasse tous les paradis. Allah mis ça à côté. Tout paradis, c'est paradis. Mon frère, quand on donne paradis, même si c'est le premier étage, tu ne veux pas. Et parce que Hadith est béni, on dit, les dernières personnes qui vont rentrer au paradis. Dernier, en dehors des 10 personnes, ils rentrent parce que c'est fini. C'est dernière personne. Allah dit, rentre au paradis. Il est rentré, il a dit, Allah, paradis est rentré. À son voix, la manique est rentrée. Allah dit, rentre. Il est rentré du paradis, rentré. Allah dit, voilà toi aussi ton paradis. Et il a dit, Allah, pardon, tu ne vas pas accepter ton paradis, soit la grandeur de Dunia avec tout ce que Dunia contient là. 10 fois, ça c'est ton paradis, toi seul. Dernière personne qui est dans le paradis. Son paradis dépasse tout Dunia avec tout ce que Dunia contient. 10 fois. Aujourd'hui, c'est simple maison, quelqu'un construit sur 3 hectares. Il ne faut pas des gens dehors. Ce n'est pas quartier entier, 3 hectares seulement. Un lot, quelqu'un privé, il a construit une maison détruite là. Il dit, on la met avec l'argent. Toyo Malkiyama, le paradis des dernières personnes, ce n'est pas premier, dernier. La grandeur de ça, c'est comme tout le monde dit. Ça peut être ça, n'importe qui a trouvé paradis, que ça soit paradis, car là, dans le paradis. Mais ça, c'est le plus grand paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, yahtar, il dit, il choisit. Mais le coup, les noms, il a à l'air. Toutes choses, Allah, il choisit le plus meilleur. S'il a crié fini, dans toutes choses, Allah, il regarde ce que plus meilleur, il choisit. Il a dit, wa afdaluhu, le plus chose qui dépasse, c'est ça que Allah, il choisit. Kama ikhtar min al malaikat jibril. Allah crie les anges. Parmi les anges qu'Allah a crié, et il a fait ce Jibril qui dépasse tous. Ça peut être ça, vous regardez dans les Coran, vous allez attendre son nom. Tanazal le malaikat wa ruhu fiha. Nazalahu ruhu l'amir ala qalbika litakuna min al munzari. Man kana aduwan li Jibril, fa innahu nazalahu ala qalbika bi iznillahi musaddiqan lima bayna yadayhi. وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو للكافرين الله كان يبال les anges il amène Jibril dedans il dit تنزل الملائكة dans la vie destin les anges tous les anges ils descendent mais il a dit وروح فيها avec l'esprit de Allah que Malaka Jibril est dedans. C'est la grandeur. Malaka Jibril, c'est lui qu'Allah envoie avec les vibrations, tous les prophètes que vous attendez. C'est le même Malaka Jibril là où Allah veut qu'on va détruire. C'est lui qui détruit. Allah l'a nommé Amin. Celui qui a la main. Jibril
lui, il dépasse tout. Mais il est l'ange. Mais Allah fait qu'il dépasse les autres. Oui. Il a dit, Wamin al-Bashar, parmi les anges, on a dit Jibril, mais parmi les hommes, il a dit, il a choisi Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il dépasse tout le monde. On ne peut pas les comparer avec les autres gens. C'est un homme. Il mange comme tu manges. Il dort comme tu dors. Il a marié comme tu as marié. Il tombe malade même un moment. La pauvreté l'a frappé même un moment. Dans la guerre, on l'a blessé comme tu as blessé une fois. Mais il dépasse toutes les créatures de Allah. Parce que lui, il est Muhammadou, mais ce n'est pas n'importe quel Muhammadou. Rasulullah. Il est le seul que Allah dit, tu as fait un seul sali sur lui, Allah te fait 10. Tu dis, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allah et les anges, il te fait 10. Oui. On ne peut pas le comparer avec un. Parmi les gens, c'est le prophète qui dépasse. Et là, il dit, samawati oula. Dans les cieux, sept cieux, c'est le septième cieux qui dépasse tous les cieux. Wamin bilad il makka. C'est comme ça, il a fait sur les pays. Tous les pays, c'est la Mecque qui dépasse tous les pays. Là, j'ai quand on arrive. Adji. Mais aujourd'hui, ce que c'est, nous voyons. Tu vois quelqu'un qui est là. Je ne veux rien. Wallah, c'est l'Amérique, ça va. Même si j'ai raté, je vais mourir, alhamdoulilah. Ce n'est pas l'Amérique qui est le meilleur pays, mon frère. C'est deux pays seulement dans les dunya que tu peux souhaiter à Allah de te tuer dedans. Car si tu es mort dedans, le paradis est garanti pour toi. La Mecque est Médine. Tu peux dire Allah, tue-moi à la Mecque. Allah, prends mon âme à Médine. Mais pas l'Amérique, pas la France, pas l'Italie, pas où. Là. Il a fait des pays, mais c'est la mer qui dépasse tous les pays. Oui. Tu ne peux pas connaître ce que Allah dit. Il y a des Aïmélia qui demandent les gens qui ont fait des pèlerinages. Ce pays, quand Allah il parle des pays, c'est Allah qui parle. C'est lui qui dit son prophète de parler. Les gens qui ont fait les pèlerinages, demandez-les. Il n'y a pas quelqu'un qui va descendre dans la Mecque. Il part pour faire le travail de la Mecque. Avec l'intention de Hajj. Il descend qu'il va penser à avoir son argent en bataille. Il ne pense rien. Quand il accepte, il arrive en même temps. Lui-même, quand il voit, il va accepter où il avait été. Allah dit, il y a les fins du monde. Qui aime, c'est vrai, ça va passer. Les anges, ils sont là. Approchez-les, vous allez les demander quoi. Et deuxième chose, il n'y a pas quelqu'un qui va aller faire pèlerinage. Le jour qu'il va retourner dans ce pays natal, il pleure. Il pleure, tristesse. Il sait qu'il vient rentrer dans la sanité. Parce que là-bas, tu ne vois pas haram. Il n'y a pas haram. Il n'y a pas des autres là-bas. Et si on fait la zane, si ça te plaît, tu viens à la mosquée. Si ça ne te fait pas, tu vas ton boutique. Non, la Mecque, c'est pas comme ça. La Mecque, c'est obligatoire. Il faut terminer. Oui. Et si tu as habité son dépôt, tu voles, non? Il faut voler là-bas. Tu voles, on t'arrache la main. Oui. Sauf qu'on n'était pas vie. C'est un pays béni. Béni par Allah. Bibarakati toi au prophète Ibrahim alayhi salam. Il a dit Wamin al-Ashur Haram, Muharram. Parmi les mois qui dépassent tous les mois, c'est le mois de Muharram. Le premier mois islamique. Ce n'est pas bonne année. Ce n'est pas 1er janvier. C'est le premier mois islamique qui est le plus meilleur des mois. Et c'est ça qui est le meilleur des mois, premier mois islamique. C'est ça qui est notre nouvelle année, pas bonne année. Bonne année, c'est la fête de nos voisins. Le moment que ton voisin il fête, c'est la fête. S'il te dit bonne fête, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais toi, musulman, mets dans ton cœur que ce n'est pas mon fête ou bien ma fête. Ce sont les gens des Français. Hein? C'est ma fête. Où sont ceux qui ont fait les Français? Ils ne sont pas là.
C'est mon fête ou bien ma fête? Ma fête. Ma fête, hein? Ce n'est pas ma fête. Mais c'est la fête des autres. Ce n'est pas notre première année que nouvelle année. C'est le blanc qui nous a tourné. C'est avec la force. Les haussins du cœur fait tout. C'est à cause de ça qu'on a accepté ça. Ce n'est pas notre nouvelle année. C'est la force. Sinon, notre nouvelle année, c'est laquelle? Muharram. Vous comprenez ça? Car on donne la compréhension. Et c'est ça qui dépasse tous les mois. Muharram. L'année, hein? Les chevaux. C'est ça qui dépasse les mois. Les chevaux. Et il a du wamina leïlile, il a tricolé parmi la nuit qui dépasse toute la nuit. C'est la nuit destin. Qui dépasse toute la nuit. La nuit destin. Vous-même, vous connaissez ce qu'on appelle la nuit destin. Parmi les jours aussi, c'est vendredi qui dépasse tous les jours. Wow. Ah oui, il n'y a pas les jours qui dépassent. C'est pas samedi, mon frère. Samedi là, avec les dimanches. Tout ça, là, c'est le plan qui nous a fait la force. Jusqu'à ce devenir notre jour de férié. Sinon, c'est vendredi. Parce que nous, les musulmans, là, voilà pourquoi on s'est dit. Sinon, les jours que nous on connaît, le meilleur des jours, c'est vendredi. Dedans, Allah subhanahu wa ta'ala, il a crié paradis. C'est vendredi, il a crié Adam avec la terre. C'est vendredi, Allah l'a sifflé là. C'est vendredi, Allah dit à Adam, est-ce qu'on entawaza ou nous kalejenna? Toi avec ta femme, rentrez au paradis. C'est vendredi, Allah dit, oh, sortez dans le paradis. Allah fait descendre Adam à terre vendredi. Adam est mort vendredi, on l'a enterré vendredi. Le monde va quitter vendredi. Quel vendredi, je ne connais pas. Dans le vendredi aussi, il y a l'air. Il n'y a pas musulman quand il demande à Allah, Allah va s'éteindre ton droit. Allez, compte-toi, il a trouvé, il est fagir d'un gros de chance. Depuis le matin jusqu'à le soir, priez. Si tu as eu la chance, ça tombe à l'heure, là, prends ton doigt, c'est fini. Douma qui dépasse tous les jours. Il a dit, Womin, il y a et la nuit, l'heure qui dépasse, c'est 3 heures du matin, la nuit. Womin, Aoukat, parmi les heures qui dépassent, il a dit, Aoukat, cela. Les heures de la prière. Vous avez vu, les heures, c'est les heures de prière qui dépassent toutes les heures. C'est à cause de ça, on vous a amené la fête de la prière. Voilà là où on veut venir. Il n'y a pas l'heure qui dépasse l'heure de prière. Pourquoi c'est devenu l'heure qui est le meilleur? C'est parce que c'est l'heure de prière. Ce n'est pas l'heure, c'est pas à cause des commerces, c'est à cause de l'adoration qui est dedans. L'heure là est devenue l'heure bénie. C'est à cause de ça, vous voyez même vendredi. Il y a l'heure. Que Allah interdit le commerce, on ne vend pas, on n'achète pas. Mais aujourd'hui, les gens ne respectent pas. Vendredi, il y a l'air, on ne vend pas, on n'achète pas. Toute personne qui a vendu l'air a été désolée à Allah. Oui. Sauf les gens qui vendredi obligatoire sur les hein? Un homme, tu n'es pas malade. Tu n'es pas voyagé en bonne santé. Vendredi obligatoire sur toi. Allah là, tu es en train de vendre, tu es tombé dans les grands péchés. Allah dit, ya ayyuhallazina amanu. Il a dit, y'a des solati mi yawm al jumu'ah. Il a dit quoi? Fas'au ila zikrillah. Maintenant, voilà la loi. Il a dit, wazaru le bay'a. Allah dit, laissez de vendre, laissez acheter. C'est pas moi qui ai dit. Allah dit, wazaru le bay'a. Laissez vendre, laissez acheter. Zalikum khayru lakum in kuntum. Laissez. Si vous laissez, Allah dit, c'est ça qui est proverbe. Mais si vous ne laissez pas, Allah dit, c'est pas bon pour toi. Oui. Parce que l'air là, c'est l'air qui coûte cher. On parle qu'un l'air. Maintenant, on fait combien d'argent vendredi? Vendredi, on fait combien d'argent? C'est toi qui as l'idée. Il y a certains qui vont dire 3 ici. C'est vrai ou faux? Parce qu'il y a les mosquées qui ont fait 3. Mais je ne pense pas qu'il y a 4. Il y a 4 aussi. Au temps des prophètes Mohammed, on faisait un seul azan. Vous comprenez bien? C'est au temps d'Ousmane, mon enfant, que c'est commencé tout.
Maintenant, si on a dit, si on a fait l'argent, faut plus vendre, n'en sait pas. On parle de quel argent? Chez nous, maintenant, ça fait le dernier argent. Ce n'est pas premier. Aujourd'hui, c'est parce que chez nous, c'est deux argent, non? Là, c'est le dernier argent. Si on fait ça, laissez vendre, laissez tout. C'est à cause de ça qu'ici, on profite à nos frères qui vendent les marchandises. Aujourd'hui, tu vas partir vendredi. Il m'a en train de faire le route, tu vas un commerçant en train de vendre. À côté des mosquées. Même les gens qui profitent de sa vie, là, si ils m'ont fait le route, c'est interdit. Allez vous asseoir. A plus fort raison, vous qui sommes les commerçants qui amènent votre marchandise au niveau des mosquées. Ils m'ont fait le route, vous êtes en train de vendre. Ils m'ont fait le route, vous êtes en train de vendre. Malakoum, vous avez quel problème? Il y a quoi? Allah, vous n'attendez pas l'appel d'Allah. Et nous dit à l'isolati, miyom il tumati. Allah dit face à il a dit que les lacs du voisin vous le payent. Tu n'attends pas ça? Aujourd'hui, c'est la loi des de gens que vous respectez, mais la loi d'Allah bafoué. Si l'homme a dit comme ça, là, tout le monde respecte. Mais si Allah dit non, attention, la Elius. Un jour, quand on va venir sur la terre des vendredis, on va amener tout ça. Aujourd'hui, dans les vendredis, il y a beaucoup de désordres qui se passent dans les vendredis. Qu'Allah nous pardonne. Il a dit, il avait les aïe de Fahou, Subhanahu, Yakhtar, Melkoul, le Aoun, Allah, Subhanahu wa Ta'ala, est choisi. Vous voyez ici, il a dit, le plus l'air qui est cher, c'est l'air de voir la prière. En quatre solawat. À cause de ça, chers frères, on vous a montré comment on prie. On vous a montré comment on fait la mission, comment on lave le janaba, comment on arrange la prière. Le prophète Mohammed, il a dit, il n'y a pas osé sous musulman de laisser la prière. L'homme qui laisse la prière, il n'est pas de péché. Les voici. Quelqu'un qui a dans le sommeil. Deuxième personne, Majinoun, un fou. Troisième personne, Asabi Yo, un enfant qui n'est pas encore adulte. Bon. Mais l'homme qui est en bonne santé, ce n'est pas bon que la prière va t'échapper. Oui, ce n'est pas bon que la prière va t'échapper. Que si nous trompons aujourd'hui, que la prière nous échappe, ce n'est pas pire. Voilà, ce n'est pas pire. Voilà, ce n'est pas pire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la compréhension. Maintenant, on vous a montré avant-hier comment on arrange la prière. Aujourd'hui, la prière, Allah nous a recommandé de prier à l'air. Maintenant aussi, il a mis la facilité. La prière de Soubou, c'est deux. La prière de Soubou, c'est quatre. La prière de Asr, c'est combien? Quatre. La prière de Maghrib, c'est combien? Trois. La prière de Isha'i, c'est combien? Quatre. Ils ont deux plus 4, ça fait 6. Plus 4, ça fait 10. Plus 3, ça fait 13. Plus 4, ça fait combien? 17. La prière, nombre combien? 17. Nombre des fathers. Chers frères, écoutez bien. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, toutes choses qu'il a amenées, il donne la facilité. Toutes choses qu'Allah a amenées, Wallah, il donne la facilité. Il a dit de prier à l'air. Mais il y a un moment, tu peux décaler l'air, il n'y a pas de problème. C'est à cause de ça, Allah nous a amené. Quelqu'un qui voyage, on a dit de prier l'air, à Salatul Musafir, la prière d'un voyageur, Allah donnait un voyageur la facilité. Il dit voyageur, on peut lui redire la prière. Toutes les prières qui sont 4, 4, 4, c'est autorisé un voyageur de faire ça combien? 2, 2. On appelle ça Salat al-Qasr. Le prophète Mohammed, il a voyagé. Il est parti de Tabouk. Il a fait plus de 20 jours là-bas. Tous les 20 jours, il faisait Salat al-Qasr. Salat al-Qasr, il ne faut pas me demander combien de kilomètres. Tout ce qui peut prendre le nom que voyage, on peut faire Salat al-Qasr. Là où l'on va déplacer, on va dire il a voyagé. Ce n'est pas il est parti dans un quartier, non. Il est voyagé. Là, on peut faire Salat al-Qasr. Si c'est deux, quatre, tu fais ça deux. Ça, c'est premièrement.
Deuxième, on a facilité un voyageur de regrouper deux prières ensemble, il n'y a pas de problème.